Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Phoenix Point. On continue, donc il s'est passé quelques petits trucs et on va finir en fait une recherche dans pas longtemps. Donc on va faire un peu de combat parce qu'il y a ça qui arrive. Donc je pense que ça risque d'être encore un épisode où je coupe pas mal. Donc j'ai combattu deux structures, il y a eu deux attaques aussi de refuge et je vais commencer à sortir un un zoo. Hein, on va faire un zoo de Scylla. On va en faire pas mal. Donc j'en ai 4 à chaque fois. Maintenant je les récupère. Oui, 4. Je les récupère. Ça, donc c'était la première qu'on avait fait ensemble. Après, je crois que celle-là, elle venait d'un refuge. Je crois que j'en ai 2 qui viennent d'un refuge. 2 ou 1. Non, 1. Une. Il y a eu un refuge qui était, je crois bien, en extrême. Il n'y avait pas de Scylla. Je sais pas pourquoi. C'était super simple. Donc j'ai pas trop compris. Mais bon. Donc ouais, la dernière en date que j'ai capturée, c'est elle. Je viens juste de détruire la citadelle. Ça c'est honnêtement, ça c'est la mêlée. Du coup, elle a pas les canons comme celle-là et tout ça, donc elle vaut un peu moins cher aussi. Et honnêtement, elle est chiante. Elle a tapé à un moment Garcia, elle a fait 140 et quelques de dégâts, je crois. Bon, Garcia, il a survécu, hein, il n'était pas dans le rouge ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu de problème. Hein. Mais c'est pour dire, et en plus elle a l'abdomen comme ça là, donc ça pond des comment ça s'appelle, des corrupteurs à chaque fois, c'est chiant. Donc ouais, c'était un peu relou, surtout qu'en plus quand elle commençait à fuir, parce que bien sûr je lui mets du virus, bah elle est partie méga loin et tout, c'était un peu relou honnêtement, c'était un peu chiant. Ça c'est notre sniper, je l'ai testé, ça marche bien, au cas où, voilà. Ça marche sympa, il snipe avec ça en fait, avec le canon. Donc c'est quasiment aussi puissant qu'un sniper, mais ça fait étourdissement en même temps. Et puis ouais, c'est cool. Ça change un peu en fait. Sinon, j'ai commencé à muter pas mal de personnes, genre tous les snipers qui sont doublés d'infiltrés. Je les ai mutés, donc il y a ça. Je vais vous montrer un peu les choses qu'on a faites, c'est quoi ça, le guide? Pénurie de vivres. Non, mais je suis pas en pénurie de vivres. Enfin, si, j'en utilise beaucoup, mais je suis pas en pénurie. Alors, on a eu ça, donc l'archéologie antédiluvienne. Donc ça, on l'avait vu. Donc les armes de contact avancées. Modèle d'armes électriques, ample le voitage. Donc ça aussi, on l'avait vu. Ce qui est bien, c'est que maintenant, j'aurais dû penser à regarder ça, en fait, plus souvent pour vous montrer si je fais des choses en dehors. Donc on a le fusil à fragments, loyau des anciens, influence psychique. C'est intensif, montrer que la faculté de Pangorin à faire naître la peur chez les humains est un résultat direct de la surstimulation de l'amygdale à travers une forme d'infrason combinée à une sorte d'influence psychique. À en croire nos observations, seules certaines espèces pandoriennes sont capables de produire cet effet, bien que la méthode exacte qu'elle emploie demeure inconnue. Un module d'atténuation a été mis au point afin d'annuler ce type d'effet. Voilà. On a eu ça, donc on a fait la recherche sur le pandoravirus, la physiologie pandorienne aussi, on l'avait fait, le projet Glory, on l'a déclenché, enfin recommencé plutôt, parce qu'il était déjà commencé il y a des années, mais il l'avait arrêté. Repousseur de gelée, c'est vrai que j'avais pas montré en fait tout ça. Enfin si, j'avais montré, mais pas par là. La vivisection de la Scylla aussi. Oui, on l'avait lu. Donc pour les armes, donc nous avons le lance-roquette. Je suis en train de bientôt faire la recherche aussi pour le lance-roquette. Parce qu'il est quand même vachement bien, mais ça coûte cher. Le dominateur, donc ça c'est le fusil de précision virale. C'est sympa. Alors le fusil de fragment. Donc ça, j'ai fait la recherche. Donc on peut le construire, enfin quand on aura les objets exprès pour... Enfin, des trucs des anciens, là. Donc dégâts 25, perforation 15, c'est énorme. Et rafale 15, donc ça... ouais, c'est pas mal. C'est un fusil à pompe qui balance 15 fragments. Nous, on a de 8 à 10 pour le moment. Ça fait 25 de dégâts par fragment. C'est le fusil à pompe le plus puissant qui existe pour le moment, je crois. Et il est perforant en plus. Donc, ouais. Ça peut être bien, on va dire. Ça peut être bien. Ça, c'est l'arme qu'on va faire aussi. Ça, c'est la lance qu'on avait débloquée. Qu'est-ce qu'on a en armure?
Oui, les nouvelles choses. Donc, on a le module de clarté pour casque, le module de casque de clarté psychique Phoenix. Donc, ça, les dégâts psychiques sont réduits de moitié. Alors, ça, c'est bien quand on va combattre sûrement des trucs qui font des dégâts. En fait, psychique, pour le moment, on n'a pas vraiment eu de choses qui font des dégâts psychiques. Alors, on a eu du contrôle mental, mais c'est tout. Mais ça, on l'a passivement avec les prêtres, en fait. Et vu que nous, dans notre équipe Alpha, on a deux prêtres, donc on est plus ou moins protégé tout le temps, donc ça va. Ça, c'est les modules pour la gelée. Donc voilà, c'est un peu les choses que j'ai faites. Après, la map, ça n'a pas vraiment changé. Il y a plein de productions alimentaires et de laboratoires qui vont être finis bientôt, donc on va pouvoir récupérer pas mal de trucs. Et on est en train de faire le projet E4, et après ça, on va avoir en fait une petite cinématique dont je voulais. Enfin, pas une cinématique, une conversation. Donc je voulais vous le montrer ça. Avant tout. Ok, j'ai encore un nid. Je vais essayer de faire ce nid-là avec l'équipe Alpha et genre capturer encore plus de créatures. J'en ai bouffé beaucoup, littéralement. C'est vrai. J'en ai transformé beaucoup en vivres. Et là, je suis. En train de débattre avec moi-même si je change pas les scies là aussi. Là, j'attends vraiment que la production alimentaire soit finie pour voir un peu comment ça fonctionne, parce qu'on en a beaucoup. Mais j'avoue que ça commence à être un peu lourd. Alors lui, il est embêtant parce qu'en fait, il a trop d'armes qui sont à 1400 mètres. Genre, il en a 4, ces deux là et il a ces deux là. Et ça fait extrêmement mal. Mais du coup, il a de la défense aussi. Il a 80 de défense. Donc, je vais pas faire full dégâts. Donc, c'est pas comme si avec un coup de laser, je détruisais une arme. Donc, il me faut au moins deux fois coup de laser. Donc, ça veut dire qu'il me faut deux engagements. Donc, c'est extrêmement chiant. Donc, je crois que ça va beaucoup plus vite, en fait, tout simplement, de tirer sur le corps. Donc, du coup, je fais ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je fais ça avec les deux manticores et ça va plus ou moins vite, je trouve. C'est pas vraiment le plus fun, mais. Voilà, il est à 1180. Quelques passages comme ça et hop, c'est fini. Alors, le projet E4, découverte lors d'une tentative de création de vaccin contre le Pandorivirus, cette procédure renforce considérablement le système immunitaire d'un individu, le rendant plus résistant aux attaques virales et à la brume. Donc ça, c'est parce que j'avais récupéré un. Je sais pas si je l'ai mangé, j'essaierai de le montrer. C'est un. Je sais plus. Enfin, c'est un truc qui tire, là. Ils ont des lance-grenades et des mitraillettes, là. Il y en avait un qui faisait du virus, en fait. Et honnêtement, j'avais pas fait attention qu'il faisait du virus. Je me suis même pas fait tirer dessus, je crois, par lui. Et du coup, je l'ai capturé aussi. Et du coup, bah, j'ai pu faire cette recherche-là, le projet E4. Donc, tous les soldats sont résistants au virus. Et les pénalties de points de volonté de la brume sont réduites de 50%. Donc, c'est cool. I have a small task that needs taken care of. Outside, formal channels. Not everyone really understands the war we're in. Some people think it's just about killing as many Pandorans as possible, but the war goes a lot deeper than that. This is a war for control over our DNA, and we're still almost entirely unarmed. Some time ago, one of my attempts to give us a fighting chance in that war went wrong. You may have heard of it. The fall of Fort Freiheit. I regret what happened, but not the fact that we tried. We had to try. We have to keep trying. Anyway, Freiheit's little more than a ruin now, but we had a secondary facility. Codename Byzantium. It had to be abandoned, and we've never been able to allocate enough resources to retrieve the data we left behind. To make things more complicated, a group of raiders has settled there without any knowledge of the treasure they're sitting on. As you can understand, it's a delicate matter, and I'd appreciate your help. Donc on va accepter. I look forward to receiving the results of this operation. You will be adequately compensated, of course. Byzance.
Donc Byzance, c'est ici. Donc c'est pas très très loin de ce qu'on doit tout faire en fait. Donc c'est sur le chemin. En fait, c'est sur le chemin. Toutes les missions sont sur le chemin. Donc ça, c'est bien pour moi. Donc voilà, je voulais vous montrer ça tout simplement. Donc moi, je vais continuer. Vu que je passe par ce chemin-là, je vais faire le nid Pandorien avec la team Alpha. Après, il me reste un truc ici. J'ai toujours l'abaddon. Je vais pouvoir le. Il reprend un peu de la vie en plus. Ça, c'est un peu chiant. Mais bon, après, on va le détruire. Et il est en train de m'attaquer ma base. Du coup, je vais devoir réparer les choses. Qu'est-ce que c'est relou. Enfin, bref, ça, c'est chiant par contre. Le behemoth, il a toujours pas atteint la rive. Donc, il va arriver bientôt. Mais ouais, ça se passe toujours bien. C'est juste que j'ai pris un peu de temps. Enfin, ça m'a pris un peu de temps à chaque fois à détruire les choses. Mais ouais. Sinon, je voudrais. Ah, la technologie roquette, elle est bien parce qu'en fait, ces roquettes sont bien, j'avoue. C'est quand même bien puissant. Et on n'a pas vraiment beaucoup de roquettes. Mais ouais. Ah oui, aussi, j'ai. Je sais pas si je l'avais dit. J'ai transformé. Donc Madeline, elle a le corps robotique et j'ai fait pareil sur Vincenzo. Je sais pas si je l'avais dit. Vincenzo, il peut porter nettement plus. Il a 44 au maximum. Ah, donc ouais, on peut mettre beaucoup de tourelles sur le terrain. 1, 2, 4, 6 ici. Et après, je crois qu'elle en a 4, Madeline. 4, ouais. Donc ouais, on est une bonne armée à nous tout seuls. Juste avec mon petit groupe, on est une très très grosse armée. Ouais. Je sais pas si je vais le finir maintenant, parce que c'est quand même un jour, c'est beaucoup. Je pense à faire ça en premier parce que ça c'est un peu de l'histoire et je pense que ça va nous débloquer des choses. Donc ouais, après j'ai les bêtes de guerre que je voudrais faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses que je voudrais pouvoir faire. Donc il y a ça, infection virale pandorienne. Oui, c'est ça. On peut faire ça aussi maintenant. Technologie acide avancée. Ça, c'est de la rétro-ingénierie, on va pas le faire. Enfin, rétro, à chaque fois je dis ça, mais c'est ingénierie inversée. Ouais, l'infection virale pandorienne. Traitant les soldats infectés par une attaque de sirène, l'équipe Miguel de Phoenix a découvert que ce qu'ils croyaient être du poison était une nouvelle souche de virus. Ça peut être intéressant, ça aussi. Je sais pas ce que ça débloque, en fait. Donc, je veux bien le savoir. Donc, ouais, c'était. Je dois l'avoir, c'était. Ouais, c'est celui-là. On peut le voir là, quand ils ont du violet comme ça, ils tirent du virus. Donc ouais, j'ai récupéré lui dans une attaque de refuge. J'aime pas sa gueule, elle. Elle est horrible quoi. Elle, on dirait une sorte de dinosaure. Elle crache du poison et de la gelée. Et elle fait rien. Elle tape quoi. Enfin bref. Voilà, donc on va faire ça. Je lutte un peu pour la tech. Mais si jamais la nourriture ça se passe bien, parce qu'il y a quand même plein de productions alimentaires qui vont se finir, on devrait pas trop avoir de problème. Bon, après, j'ai quand même beaucoup de matériaux, donc je peux toujours faire des échanges au pire s'il en faut. Mais voilà. Donc on va continuer ça. Moi je vais faire ça, le nid. Puis après, je vais envoyer donc team alpha, équipe alpha, genre chambre temporelle. Puis après, ça dépend comment, qu'est-ce qui se passe après ça, et on va enchaîner sur Byzance, le querelleur, le tombeau du savant fou, et c'est tout pour le moment. Donc ouais, on a toute une ligne de missions à faire. Donc on continue notre petit épisode. Donc on va arriver bientôt à la chambre temporelle. J'ai fini une recherche. Pourquoi il y a encore? Ah oui, il y a ça. On va débloquer ça en fait. J'ai vu la cinématique vite fait, je l'ai passée et j'ai rechargé la partie. Comme ça, on la regarde ensemble. Mais on a ça qu'on va se débloquer. Par contre, j'ai fini donc l'infection virale pandorienne. Non, j'ai fini cette recherche sur les pandoriens qui font du virus.
Et du coup, donc le virus Trix a été découvert en recueillant un échantillon d'un survivant infecté après une attaque de sirène. Le virus semble être une souche simplifiée et plus petite du Pandora virus. À l'origine, on pensait que le virus Trix était un agent pathogène neurotrope qui causait des hallucinations, la perte des facultés motrices et la mort. Après une observation plus approfondie, il s'avère que la principale fonction du virus Trix consiste à réveiller l'esprit afin d'en obtenir le contrôle. La mort n'est qu'un effet secondaire. Donc ouais, on a eu ça. Et du coup, on a débloqué ça. Donc le kit virophage. Donc restaure 200 points de vie et supprime toutes les infections virales, tout saignement et poison. Donc ouais, on a ça aussi. Très puissant, j'en ai fait pour l'équipe alpha. Par contre, ça coûte un peu cher quand même. Hein. 20 et 40, ça coûte un peu cher, j'avoue. Je commence à détruire pas mal de choses que j'ai et que j'utilise pas, bien sûr, pour récupérer un peu de technologie et tout ça. Par contre, le Behemoth, il m'a bien foutu dans la merde. J'ai donc une base qui se faisait attaquer par ça, là. Et elle a pris cher. Il y a quasiment tout qui est en réparation. Ça m'a coûté bonbon. C'est pour ça que j'ai dû vendre pas mal de choses. Enfin, recycler pas mal de choses. Donc ça, j'avoue que ça me fait un peu chier. Par contre, j'ai pas mal de productions alimentaires qui ont été finies. Et maintenant, je suis à plus 22. Donc ça va. Au final, c'est pas si mal. Je crois que j'en ai 4 ou 5 là qui ont été faites. Donc c'est pas si mal. Là, j'en ai encore plein d'autres qui vont arriver. Donc, en théorie, on devrait avoir une bonne arrivée de nourriture, on va dire. Donc, peut-être que je peux faire plus d'échanges. Et maintenant, je peux complètement, bah, merde, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Oh là là, j'ai changé l'Hélios. Je peux complètement... oui, c'est celui-là qui est échange. Utiliser toute la nourriture que j'ai. Donc ça, c'est une bonne chose, maintenant. Parce que je suis toujours en positive, en fait. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai rechangé Helios 1. Hop. Ok, c'est bon. Donc, on va arriver là, et cinématique. The writings of my great-grandfather recount his mission to Oglethorpe University and the Time Vault. It was here, in 1936, that he deposited the files, sealed aluminium containers that were locked away to be opened in 1,000 years. Did he know what those files contained? I'm not sure. He was a wily old devil. I have the documents before me now. They prove what I had previously only suspected. A technologically advanced hominin civilization existed on this planet long before Homo sapiens came along. They flourished until something destroyed them. But some of them must have survived. Or where did the stories come from? Somehow, they must have won. I know that some of my operatives think I've lost it. It doesn't matter. I have to keep searching. If I find the answer, it'll have all been worth it. Mm-hmm. L'histoire s'approfondit, c'est sympa. Alors, Phoenix Entrepôt de l'énigme. Les notes de Sim sont devenues plus difficiles à déchiffrer. Il semble s'être rendu sur un site archéologique indéterminé où il a reproduit les inscriptions de plusieurs fragments de manuscrits antédiluviennes qui l'ont conduit à son étape suivante. Nous devrions reconstituer ces inscriptions pour découvrir sa destination finale. Nouvelle recherche disponible. Si on se fie à ses notes, Randolph a découvert que son arrière-grand-père avait dissimulé de nombreux documents et échantillons appartenant en majorité aux organisations auxquelles le projet Phoenix a succédé. Il reste peu de matériel à l'intérieur de l'université, mais la chambre temporelle existe toujours. Elle a été ouverte par quelqu'un, probablement Sims, mais elle a jusqu'ici été épargnée par l'infection pandorienne. Récupère le contenu de la chambre. Ok. Donc on a la proto-civilisation antéluvienne, donc les missions et les entraînements octroient 10% d'expérience supplémentaire aux soldats, c'est sympathique mais sans plus. Nous avons découvert un fichier crypté partiellement corrompu dans une base phénix réactivée. Il s'intitule proto-civilisation antédiluvienne et est marqué comme extrêmement important. C'est ici.
Eh ben c'est bien. On va faire ça. Compléter les recherches. Donc ouais, on va devoir faire les recherches. Donc c'est cool, on avance. Du coup, prochaine mission, ça va être quoi? Ah tiens, on a des... Il y a juste un truc qui vient d'apparaître ici. Il y a juste une tanière ici, je vais aller la faire. Et après, nous on se revoit plus tard, enfin après, pour ces endroits-là. Par contre, maintenant on peut faire, donc lancer une sonde, on peut faire fabriquer des sondes, si j'ai bien compris. Dans véhicule. C'est ça. Donc les sondes archéologiques. Donc une par heure. Donc ouais, on va en faire quelques-unes. On va en faire 5. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Est-ce que je peux... Hop, ok. Comment on fait? Alors, lancer une sonde qui détecte les ruines antédiluviennes. Ok, sélectionner l'emplacement cible. Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche. Ah ok, faut que le vaisseau il a une portée en fait. Ça marche, genre là, bien au milieu. Hop. Ok, je peux en lancer une autre. Genre là. Après c'est pas extrêmement cher donc à faire. Donc, c'est pas vraiment grave. Pas mal ça, non? Je sais pas si ça sert à... Je sais pas si c'est du gâcher. Bon, après, c'est pas extrêmement cher à faire. Hein. On va en faire plusieurs, de toute façon. Faut juste que je récupère un peu plus. Mais là, ça va aller mieux, honnêtement, pour la technologie. Ça va aller mieux. Je suis sûr que ça va aller mieux. Voilà. Ok. Ben, je vais faire le chemin avec vous, du coup. Attendez, faut que je regarde... Je sais pas où il va, lui. Il va où, là? Genre là, peut-être. Manticore 2. Manticore 1. On va faire ça. Pendant qu'on effectue un raid sur la base Phoenix. T'es sérieux? Oh, pas encore. Pourquoi la base Phoenix? Ça, par contre, si c'est la base principale, ça va me faire chier parce que là, il y a beaucoup de choses à reconstruire. Il va me coûter méga cher. Il va me coûter méga cher ce truc. Je sens. Je sais pas combien de temps ça met pour détecter les choses, par contre, parce que là, je vois rien de nouveau. Ah oui, si du coup je change de vaisseau, je peux les balancer en fait où je veux, au final. Oui, en fait, je peux les balancer où je veux, les machins. Parce que j'ai des vaisseaux un peu partout dans le monde, donc autant y aller. Voilà. Oh mon dieu, c'est un peu le bordel, la carte, quand même, hein, maintenant. Il y a des cercles de partout. C'est une catastrophe. Alors, ok, restez là. On est arrivé, alors. Pas assez de vivres pour vos soldats. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, on est bon. Alors, réparation terminée, ok. Générateur, passer du Pandorien, fait un reste sur la base Phoenix, fabricateur. Ok, ça marche. Mais si, c'est bon, vous inquiétez pas. Les soldats, ils ont de quoi manger. Il n'y a pas de problème. Ils vont un peu se fatiguer, je crois, en fait, c'est ça. Mais ça va. Apparemment, ça met du temps à venir, en fait, la production de nourriture, je crois. C'est pas instantané, c'est pas genre chaque jour on gagne. Ouais, donc il en faudrait de côté. Je crois que j'ai peut-être fait une connerie d'épuiser mon stock, j'avoue. Je vais peut-être aller en récupérer vite fait. Je sais pas où, par contre. Je vais regarder si j'ai pas un vaisseau qui est... On va faire ça. Ah, juste pour au cas où. Parce que sinon les gens vont commencer à manquer de nourriture. Bon bah du coup moi je vais faire ça de mon côté.
Puis après, on repart dans la découverte. On va faire encore un peu plus de sondes. Comme ça, on découvre les choses vite. Voilà. Je pense que je vais détruire pas mal de... recycler pas mal de choses. Parce que si le machin, il a fait vraiment un raid sur ma base. Genre, si vraiment il envoie un truc sur une de mes bases, ça va me coûter bonbon à tout réparer. Extrêmement relou. Genre, j'ai perdu un laboratoire, c'est 2 jours pour qu'il revienne maintenant. Donc ouais, ça fait un peu chier ça par contre. Ça fait vraiment chier. Enfin bref, c'est pas grave. Je reviens vite. Et nous arrivons sur notre site de Byzance. Donc aussi j'ai fini du coup pas mal de laboratoires. Et ça a réduit le coût en fait des sondes. Donc maintenant on est à 2 tech avec 8 de matériaux. Donc ouais, ça va, c'est très très simple à faire. J'en ai fait pas mal. Je vais même en refaire. Juste au cas où. Il y a des parties maintenant qui sont bleues. Genre elles ont arrêté de tourner. Enfin non, elles ont pas arrêté de tourner en fait. Mais si je fais ça, voilà, on voit que c'est bleu maintenant. Bleu, violet, pardon. Rose-violet. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Je vois pas de nouveau site en fait. Je vois rien qui a pop ou quoi que ce soit. Donc je sais pas trop. Oh, là! Ruines. Ah, oh, si. Il y a des ruines. Ok. Cool. On va envoyer une équipe et on regardera ça pour la prochaine fois. Il y a le Behemoth aussi qui va détruire... Qui a envoyé un truc pour attaquer Phoenix Point. Donc c'est super. Genre, mes 300 tech, je pense que ça va même pas être assez pour réparer les dégâts. Donc ça me désole. J'ai même pas envie d'avancer quoi. Je sais que ça va être une catastrophe. Je sais déjà que ça va être une catastrophe pour reconstruire tout ça. Enfin bref. Alors, résumé de la mission. Le laboratoire Byzance faisait partie du projet de recherche top secret du colonel Larson. Il nous demande de récupérer les données stockées dans ses systèmes, mais l'établissement est actuellement occupé par un groupe de pillards. Ça marche. Donc... alors, il y a une personne qui a changé, Adèle. Adèle est devenue mécanique. Donc je suis plutôt content. Donc je lui ai mis les jambes de propulsion, ça lui fait de la vitesse en plus et elle a le bon. Alors le bon, on va dire que c'est pas extrêmement utile, c'est très... c'est pas trop utile, hein. je dois avouer. Mais bon, vitesse 3 et puis voilà, c'est mécanique, c'est cool. Et après maintenant je lui ai mis la tête perturbatrice. Alors ça j'avoue que c'est vraiment bien, C'est 3 de volonté pour le faire, mais ouais, ça permet de bloquer pas mal de choses ennemies. Et on peut le faire en plus plusieurs fois par tour, tant qu'on a de la volonté, donc ça c'est cool. Donc voilà, après le reste a pas changé. Ah oui, il y a Garcia, je voulais lui remettre ça. Ouais, 200. Ouais. On va lui remettre ça pour qu'il soit un peu plus résistant, parce que j'ai eu des petits malheurs où le mec a failli crever plusieurs fois d'affilée, et ça m'a un peu saoulé en fait. Donc ouais. Tout le monde est bon. C'est parti. Donc ouais, on commence à avoir une équipe avec des mutés, des robots. Enfin voilà quoi, c'est cool. De toute façon, on est là. Hein, il faut bien gagner la guerre. Hein. Là, on essaie de gagner la guerre à tout prix. Donc on a un peu de tout. Perso, j'aurais bien voulu avoir que des genre cyborgs et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a les mutations qui sont quand même vraiment pas mal. Donc du coup, c'est bien. C'est bien de faire des mix en fait. Ok.
Alors. Oh, c'est pas des. C'est pas juste des bandits en fait, il y a un peu de tout. Enfin, si, ah, ici, ok. Il y a des bandits, mais il y a aussi des rejetés. Enfin, un rejeté. Voler les recherches. Ça marche, ça marche, ça marche. Ok, alors attention aux oreilles. On va faire un peu de frénésie. Ok, c'est bien. Est-ce qu'on a... Bien sûr. Ils ont pas mal de vie. Ils ont pas mal de vie. On va mettre ça en plein milieu. On va essayer de se placer pour libérer la bête. Je dirais. On va mettre. Ah, il y a un mec là. Il y a un mec juste là, non! T'inquiète, Garcia. T'inquiète, on va. On va. Je sais pas. On va, je sais pas. Moving out. Preparing to fire. Ow! Ok. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le bras. Très bien. On les attendrit un peu pour pouvoir bien les taper après. Ah putain, quel coup. Comme d'habitude. Hein. On va se mettre là. Très bien. On va en mettre deux. Il y a beaucoup de monde. On va... Après, on va lâcher Garcia, il va les défoncer. Ça ira plus vite comme ça. Ah, ils aiment pas les araignées mécaniques, hein, apparemment. C'est marrant, il a fait, il a fait des dégâts à son pote. Ah, ils aiment vraiment pas les araignées mécaniques. Bon, bah, c'est con, ça les a un peu toutes détruites en même temps, mais au moins ils ont balancé plein de grenades.
Ça va, après ils ont pas des armes très avancées. Pas mal. Putain. Bien visé. Très bien visé. Par contre, d'être mécanique, ça coûte cher quand on se fait toucher. Parce qu'après, il faut réparer, en fait. On peut soigner avec le technicien, mais en fait, après, il faut quand même réparer la partie après le combat. Donc, il faut utiliser de la technologie et des matériaux. Donc, ouais, ça fait cher. Putain. Très bien. Alors, toi. J'aurais dû peut-être faire ça en premier. Alors, liquidation rapide, on est parti. C'est d'adrénaline. Ah, ils ont beaucoup de vie, c'est cool. Oh, ça passe. On va faire un peu le vide. Très bien. T'as combien de vie, toi? 170, pas beaucoup, en fait. T'en as moins que les mastodons. Ah, il fallait pas nous faire chier, hein. Là, vous avez un peu exagéré, la grenade de feu et tout ça. Vous êtes un peu allé trop loin. Légèrement trop loin. Après, faut pas que je me retrouve piégé non plus. Quand même marrant ce système. Okay. C'est pas fini, c'est pas fini. Let's go. Stand your ground. Alors, on doit voler les recherches. On doit pas tuer tout le monde. Enfin, il paraît qu'on doit pas tuer tout le monde. Ok, maintenant il peut rester là. De toute façon, tout le monde a peur, donc ça va. Du coup, tu prends pas beaucoup de feu, non? T'es résistant au feu? Voir un peu les dégâts. Tu
prends quand même masse de dégâts. Hein. Ouais, tu prends quand même masse de dégâts, hein, je veux pas dire, mais... Ça va coûter cher à réparer la tête, parce que si je fais ça... Genre, renforcement électrique, c'est ça... Là, je lui répare la tête. Mais je crois que ça va pas être suffisant. Je crois que je vais devoir payer quand même la réparation. Après, la tête, elle est pas full. C'est marrant, il n'y a pas l'effet bionique. Ouais, en fait, c'est parce que c'est pas plein, peut-être. Il faudrait que... J'utilise ça... Ah, ok, on va tester. Ça marche. Ok, est-ce que des snipers voient quelque chose? Ouais, je vais réparer au maximum, mais à chaque fois c'est 2 points d'action. Ouf. Tu l'as bien prise celle-là. Pas grave. Ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas grave. Tout va bien. Ok, très bien. C'est pas encore fini. Ça marche. Alors du coup, il faudrait que je fasse encore ça. Pour réparer les parties. Et du coup, ça m'éviterait en théorie de... payer. Bon, ça serait moins cher en fait, en tout cas. On verra. On verra si ça fonctionne. Alors. On a 2 personnes. Un peu plus de 2. On l'a touché. On l'a touché. Voilà, c'est juste ça qui m'embête un peu, le fait que ça soit cher. Oh là là, arrêtez de louper. Oh, c'est un peu chiant, quoi. Très bien. On a un mec là qui va nous... qui va honnêtement nous embêter.
Je suis certain de ça. Never give up. Certain qu'il va nous embêter. C'est sûrement des grenades en plus. Ah, c'est ce que je pensais. Bon dégâts de merde. Ah, c'est pas grave. Toi, tu peux pas bouger. Et toi aussi, t'as quoi qui est abîmé, du coup? Tu as rien. Au cas où, si on doit... utiliser des tourelles, mais ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'on a? Sniper. Il y en a qui se soigne là-bas derrière. Voilà. Ah, je suis content qu'on ait changé, hein. C'est bien, en plus il récupère un peu de vie à chaque fois. C'est bon? C'est bon, on a fini. On peut partir. Ah ouais, mais j'ai pas la course. J'ai pas la course. Ok, on va se casser. On va essayer de couvrir un peu les arrières et on se casse. Ah, très bien. C'est où pour se casser? Ah, faut avancer en fait. Bon, bah... du coup, on avance. Du coup, on avance. On s'échappe, mais on avance. Ah, j'aurais dû faire frénésie directement. Ok. Toi, du coup, tu m'embêtes. Ok, tu viens de passer à travers le mur. J'imagine que la grenade a fait un trou, en fait. Ah, merde. Ah, fais chier. Je pense qu'il peut le tuer. Okay, très bien. Ouais. Vu qu'il a perdu un peu de vie. Alors, on a bien fait de changer son corps là. Parce que j'ai eu des... Surtout quand j'ai fait en fait le... Pas le nid là, le deuxième, pas la citadelle, mais celui du milieu. Tanière, voilà. Quand j'ai fait la tanière, ça s'est... Ouais, on va pas dire que c'est mal passé, mais... à un moment, je lui ai fait faire un long kill. Et après, il a été un peu bloqué vers l'avant. Et... Enfin, un peu entouré d'ennemis. Il s'est fait tirer une fois dessus, en fait. Ça lui a enlevé genre 70 HP. Et là, je me suis dit, hein, on va... Hein. On va peut-être remettre le corps qui régène et qui a plus de défense.
parce que c'est un peu dangereux quand même. Donc bon, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Désolé si vous entendez du bruit. C'est le mauvais moment. Ok, du nouveau monde. Allez! Ah, ça y va les grenades, hein. Enfin, de toute façon, après, j'ai envie de dire, ils ont que ça pour vraiment nous faire des dégâts. Ah, quoique les snipers, ils peuvent quand même faire des dégâts. Faut avouer. Bon, est-ce qu'on peut partir maintenant? Les tourelles, elles voient rien, on est d'accord. Ouais. Est-ce que les gens peuvent courir à la sortie? Qu'on se casse. On va voir par là. Bien. Ah, ils vont être chiants. On va essayer de couvrir un peu les arrières. Mais honnêtement, je crois que tracer, ça devrait être bon. Faut juste pas rester en exposé, quoi. J'aime pas trop quand ça se passe comme ça, là où on doit... Genre partir, mais vu l'endroit, genre on doit traverser un peu la carte. Et les gens arrivent en plein milieu. Enfin, non. Nous, on est en plein milieu et eux, ils arrivent autour de nous. On va se mettre au centre. Toi... Le plan, c'est de partir. Je pense qu'on va pouvoir partir. Ah, peut-être encore un tour. On devrait mettre des araignées à la limite. Ok, fais voir qui est le plus loin. On va devoir mettre encore un coup de frénésie, c'est reparti. Alors fais voir. Ah, du coup toi tu arriveras pas. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir lui augmenter les jambes et tout ça et que qu'elle puisse courir loin, ce serait tellement bien. Ah, elle voit pas les tourelles, elle voyait pas. Ça, c'est con, ça. Ça passe à travers ou pas? Ça, c'est bête qu'il n'y ait pas de puissance de destruction, en fait, des objets. Ça marche que avec des, genre, des canons ou des explosifs. Sinon, ça marche pas avec le reste. On va faire c'est l'heure. Très bien.
Je voudrais faire une équipe parfaite pour... aussi pour... genre les nids, les... quoi d'autre? Les citadelles et tout ça. Je voudrais essayer de trouver... une équipe parfaite. Je crois que plus tard, on va pouvoir faire des équipes de... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais genre, c'est des humains créés avec le mutagène. Ça fait partie d'un DLC qu'on n'a pas commencé encore pour des raisons. Car les machins sont très vénères, en fait. Les créatures qu'on va combattre sont extrêmement vénères. Et j'avais vraiment pas envie qu'elles commencent à pourrir, en fait, nos missions. Ces genres de créatures genre qui font renaître les morts et tout ça, c'est extrêmement chiant. Oh, on a pas dû. Voilà. Donc ouais, j'avais pas envie en fait d'avoir ça. Que j'avais un peu testé déjà. Et honnêtement, ça dans des citadelles et tout, c'est... Ah, c'est, ça devient vite compliqué. Hein. Bon, après, notre équipe, maintenant, elle est efficace et tout, donc elle va pas avoir de problème une fois qu'on aura commencé ça. Mais j'avais pas envie d'avoir ça pendant notre partie. Là, je voudrais bien en finir avec le behemoth pour passer à autre chose. Normalement, on devrait avoir le temps de tout faire tranquillement. Ok, très bien. Ouais, je pense qu'on peut tout faire, genre sans trop se presser, ça devrait aller. Ok, très bien. Mission terminée. Je montrerai ce que ça fait les sites si jamais je les fais avant la prochaine vidéo. J'enregistrerai tout. Les sites de fouilles là. Je suis content que les sondes là ça soit pas cher du tout. Excellent. I'm glad you understand the importance of fighting the Pandora virus with more than just guns. It may be ugly at times, but what's the point of morality if no one's left to appreciate it? Survival of the species has to be our first priority. I hope you'll accept this small gift as a reward for your help. Merci. I hope you will continue working with New Jericho. We can achieve a great deal together. Maybe even win this damn war one day. Looks like you really are on our side. The Phoenix Project and New Jericho putting bullets in monsters together. Nice. But you know what's less nice? There are some folks here in New Jericho who, well, how shall I put it? They have some minor ethical issues. And by minor, I mean absolutely goddamn massive. Like my old friend, Colonel Harrelson, who tried to convince me I was infected so he could run his little tests on me. Wow. C'est bien la nouvelle Jericho. Now, sure, maybe it's true that we need ruthless people like Harrelson who are willing to do anything to survive. But there are limits. And as far as I'm concerned, he's breached them over and over. And you know what? He's done it in secret. Tobias West has no idea about some of the shit this guy's pulled. I could just rat the old bastard out, of course, but like I said, maybe we do need him. We don't need Project Vulture, though. Experimenting on Pandorans is fine by me, but on people? I may be cynical, but that's where I draw the line. So here's the deal. I provide you with the location of the new Project Vulture lab, and you make sure no one gets out alive. On va continuer cette ligne de quête, on va le faire. Le projet Vautour sera détruit. Good. Transmitting coordinates. Don't worry. This is a black site, so even if Harrelson finds out who did this, what's he gonna do? Tell Tobias West about his secret project? Oh mon dieu. Oh, le prix de la maintenance. Donc on peut pas réparer. Même si je répare pendant la mission,
Il faut quand même que je répare après. Ça, je comprends pas. Je sais pas si c'est pas un bug. Parce que ça avait l'air d'être ok, hein. Faudra que je vois. La prochaine mission, on verra si on commence abîmé ou pas, en fait. Parce que c'est un peu étrange. Ouais, il y a écrit réparer. Je sais pas. Faudra voir combien de vie elle a. Enfin, elles ont, les deux. Adèle et Madeline. Mais ouais, non, pourtant, j'avais bien réparé avec le technicien, donc je comprends pas trop. Mais ouais, c'est quand même méga cher après de maintenir. J'avoue que avoir de la mécanique, ça peut être sympa. Mais il en faut pas beaucoup. Genre quand on commence à mettre des personnes avec deux parties mécaniques, c'est chaud quand même. Hein. Ça fait un peu cher. Enfin, je dis ça, on va faire ça la prochaine fois. Je dis ça, c'est surtout parce que moi j'ai une saloperie de behemoth qui va aller sur ma base principale. Et ça va me faire mal au porte-monnaie. Il y a quand même tout ça à réparer après. Hein. Donc ça va me faire mal. Le pire, c'est que s'ils me détruisent le générateur ou alors le repousseur de brume, ça se rétrécit et la brume revient en fait. Donc c'est une horreur ça par contre. C'est vraiment une horreur. Enfin bref, on continuera ça la prochaine fois. Donc du coup, j'ai trouvé qu'un seul site pour le moment, ça. Qui c'est qui y va? J'ai envoyé toi. Ça marche. Est-ce que je peux envoyer d'autres sondes où on a fait tout le... Il faudrait cette partie-là. Après, je crois que j'ai mis des sondes plus ou moins partout. Ça m'étonnerait quand même qu'on ait besoin de... Attends, j'ai pas tout fait. Ok. Ah, là aussi, il y a une ruine. Ok, ruine. Bon, ça va, on en a trouvé quelques-unes. Ça, c'est sympa ce système, c'est pas très compliqué tout ça. C'est plutôt sympa, plutôt cool. Ce système de recherche. C'est juste qu'il y a beaucoup de points. Je sais pas s'il n'y a pas des raccourcis pour... genre afficher les choses qu'on a, genre les nouvelles choses. Genre il y a plein de points, enfin après oui si on enlève les points, ça, du coup les vaisseaux, enfin ces points sont importants, même les points en fait qui sont finis, qui sont détruits ou faits, parce que ça reste des points d'accroche pour les vaisseaux, donc je comprends pourquoi ils les enlèvent pas. Mais j'aurais bien voulu avoir genre des filtres pour voir les nouveautés ou différents types de choses. On a une citadelle. On ira récupérer une nouvelle Scylla. On en fait la collection de toute façon. Ok, on va finir ça la prochaine fois. Du coup, je pense que ce sera le début de la prochaine vidéo. Ouais, je vais pas vous le montrer maintenant parce que s'il y a une cinématique et tout, ça va déjà prendre beaucoup de temps. Donc on verra ça la prochaine fois. On ira faire donc le querelleur. Et après, c'est où le projet vautour? D'accord, c'est que c'est de retour ici. On fera le querelleur. Et après, ça, le tombeau du savant fou. Et. Ouh la vache, c'est vrai que ça tourne quand on est au pôle. Ça, il faudra que je vérifie ce que c'est aussi, parce que c'est un site inexploré apparemment. Faudra que je mette des sondes aussi. Et des sondes tout en Antarctique. Ouais. Donc ouais, ça va, c'est cool. Ça avance bien. C'est juste que ça me fait un peu peur, là. Le prix de payer comme ça, faut vraiment que je fasse attention. Ça me fait un peu chier que ça soit aussi cher, en fait, à maintenir.
J'avoue que c'est extrêmement cher. C'est limite, je regrette d'avoir des robots en fait. J'avoue que dans un sens, ça vous pousse pas vraiment à faire des augmentations de cybernétique. J'avoue, ça pousse pas du tout à les faire. Hein. Vraiment pas. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.